ocean breaking through. The door to this world is open for me. Gonna come through and set my dreams free. So take a chance and step through. Our dreams are all coming true. À la suite de la prédilection des vagues des circuits extérieurs, une harmonisation des rivaux pendant la dernière tour de circuit qui permet de renforcer et rivaliser les coureurs de course les plus rapides avec plus de vitesse extrême. À la suite de ce constat, un effort particulier a été réalisé dans le cadre des rivaux, ainsi 8 places de vagues été créé par Vague 1, Léa l'Apostole, Anna 4K comme rival dans la Vague 1. Vague 2, Alicia Hafner, Emma Bourson comme rival dans la Vague 2. Vague 3, Alicia Lisiana elle-même comme rival dans la Vague 3. Vague 4, Maëlys Jaco, Mia Rose Morgan comme rival dans la Vague 4. Vague 5, Weshden elle-même comme rival dans la Vague 5. Vague 6, Kelly Clément, Emma Brooks comme rival dans la Vague 6. Vague 7, Charlotte Rekia, Olivia Denet comme rival dans la Vague 7. Vague 8, Charlie Descamps, Chloé Kuhn comme rival dans la Vague 8. La grande finale est prévue le 30 juin 2011 dans l'espace arc-en-ciel pour conquérir un grand vainqueur avec 10 circuits. Pour le grand final, on aura Mélissa Clarissa Segali, Anthony Gareth Segali, Sarah Milo Segali et Océane Julia. 10 circuits avec 3 places des vainqueurs. À l'attention du 30 juin 2011, tous les établissements sont donc fermés pour cause de la course du siècle.